Pardon. Hello les gars et bienvenue dans ce petit moment sirop d'érable pancakes. Donc c'est la nouvelle rubrique. On va lancer des sujets divers. Ça a toujours un rapport avec la musculation, mais c'est des sujets où le débat est libre. Donc on peut dire ce qu'on veut. Donc pourquoi sirop d'érable pancakes? Parce que notre rêve c'est d'aller au Canada, c'est d'aller pousser au Canada avec caribou et avec pancakes salés. Et c'est l'eau des donc, tant qu'on n'a pas atteint notre rêve nous d'aller au Canada, on lâche rien. On lâche rien, on veut voir les ours, on veut voir donc le Canada, c'est notre objectif. Donc, ce moment, c'est le moment sirop d'érable pancakes. Donc, le sujet, le premier numéro. Poto, mon petit pote, le sujet, qu'est-ce que ça va être? Le sujet, qu'est-ce que ça va être pour ce premier numéro de sirop d'érable pancakes? Je vous fais à peu près l'introduction, même si vous en foutez, on l'a déjà fait. Donc, le sujet, ça va être, est-ce que la musculation, ça va être vraiment avec les filles, en général. On va débattre autour de ce débat. Débattons, lançons le débat. On commence avec, Donne ton avis, vas-y, Il va donner son avis. Toujours je donne mon avis, on peut le faire moi, dans chaque vidéo. Donc moi personnellement, mon avis personnel, moi bah, je vais remonter à ma plus jeune enfance, enfin quand je suis pas vieux, mais moi personnellement, quand j'étais petit, je voyais les mecs un peu plus balèzes que moi, enfin même qui étaient, ils étaient pas trop balèzes, mais je fais les... C'est pas ça. Les enfers. Et comment ça t'entends toi? Et en gros, moi je voyais les enfants, ils étaient un peu plus balèzes que moi, il y en a. Et je me disais... Les enfants? Non mais quand j'étais petit. Ah ouais. Toi, de même génération, bah ta génération et tout, tu vois. Ouais. Et là, ils étaient un peu musclés, ouais, tu vois. Ouais, musclés. Bah les noirs et tout, ouais, tu vois. Ouais, ouais, je fais pas de discrimination. Oh là, ça commence à faire un petit cliché là. Ouais. Tranquille, mais en gros, je me disais, la muscule, je pense que quand t'étais musclé, t'avais une chance supérieure à la moyenne, quoi, avec les filles. Tu vois ce que je veux dire? T'avais une chance, tu passais de 0 chance à 100% de chance. Enfin, pas 100%, mais 50% de chance de sortir avec elle. Non? Enfin, ouais. C'est des idées reçues, mais que tout le monde a pensé une fois dans sa vie. Je me mets, je fais des pompes, je fais des abdos, je suis beau gosse sur la plage, je suis beau gosse, tac. Je vais gérer toutes les meufs dans la planète. Ouais. Non? Mais en gros, donc, si je comprends bien. Vas-y. Mais en gros, ta conclusion, ça donne quoi? Ça aide ou pas? Ah, ça aide. Quand t'es musclé ou pas, ça aide ou pas? Bah, enfin, je suis parti toi du début et tout ça. Ça aide ou pas? Franchement, moi, j'ai pas non plus, je sais pas, Ronnie Coleman ou Phil Hayes ou Jay Cutler. Ouais, mais ces physiques-là, moi, je pense que ça plaît pas. Ça plaît pas, tu vois. Mais je veux dire, je suis pas. Enfin, ça aide. Oui, oui et non. Ça aide. Oui, ça aide, je pense. Ça aide un peu. Ça y joue, en fait. On va dire, c'est le truc. Après, c'est le charme, c'est le charisme. Ouais, t'as vu, t'as plus Charisse. Et ton stade Charisse, en bas, tu peux te sortir. Sur le Canada, on dit Charisse. Mais. En là, fait, je vais te dire, c'est un. En gros, si t'es beau gosse, si tu parles bien, t'as une bonne élocution française et tout ça, t'es là, t'arrives, ça fait un bonus quoi. T'es un peu musclé. Bah, ça va, non? Moi, je dis, les meufs, il y en a, me disent. Après, ils disent, non, pas trop de nuits, pas trop de ceci, cela, mais elles vont voir, frère, elles vont prendre une brindille ou un mec musclé. T'inquiète pas qu'elles vont choisir un mec musclé. Hein. Ouais, je suis d'accord, moi, je suis d'accord avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Avec toi, frère. Je suis d'accord avec toi, moi, avant, en fait, des physiques musclées, déjà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, et non, un physique musclé, ça plaît, on va pas se mentir. Il y a des meufs qui vont dire, ouais, non, j'aime pas trop musclé, les abdos. Là, c'est les meufs, c'est faux, les meufs, elles kiffent ça. Bah, après, je dirais pas vraiment que c'est le... Le rêve. Ouais, c'est pas vraiment le truc qui va faire peser la balance quand t'es en train de séduire la meuf. C'est un bonus. C'est un bonus, genre si tu veux, c'est juste le bonus qui va faire qu'elle va te regarder et hop, ça va permettre le premier contact. Et après, toi, tu vas devoir parler. Après, c'est selon si tu parles bien ou si avant que t'as un cassos ou même si t'as des muscles. Après, il faut pas trop non plus rentrer dans le mec kéké, tu vois, le débardeur et tout. Tu vois, te montrer et tout. Si t'es musclé et en plus tu gardes un peu. T'es un peu humble et tout, tu vois, t'es musclé derrière tes vêtements et tout, ça se voit que t'es musclé, mais t'es. Ouais, tu vas pécho. Il y en a qui, grâce à la muscu, ils ont pécho plus de meufs et avant. Et même, c'est même une question de confiance en soi pour certains, tu vois. Bah, il y en a, c'est une carapace. Maintenant, ils sont musclés, ils ont plus confiance en eux. Et ça leur permet de d'aller vers les meufs, quoi. D'aller vers les meufs. C'est une carapace, en fait. C'était pour rebondir sur ton sujet. En gros, moi, je vais pas vous mentir, mais la muscule, il y en a, ça a sauvé des vies, hein, limite. Hein. Non?
Pourquoi pas? Bah ouais, ouais, parce que du Lyonnais, ils étaient vraiment, comme tu dis, un social renfermé, tout ça. Et au final, ils sont ouverts, hein, pas au monde, mais on va dire que ça leur a permis d'avoir plus confiance en soi. Et voilà, c'est une question de confiance en soi. Mais après, est-ce que ça permet de prendre plus de meufs? Ouais, ouais, la question, elle est ouais, tu vois. Donc il y en a qui aiment pas trop, mais il y en a plein qui aiment ça, tu vois. Donc tu vas en pécho plein des meufs qui aiment les muscles. Après, ouais, l'important, ça reste quand même. La façon de ton charisme et toute ta personnalité, ta tête. Ouais, ta tête. Bah, en fait, les meufs là qui me disent, ouais, non, il n'y a pas que le physique qui compte, mais frère, quand tu la vois la première fois, elle voit ta tête. Hein, elle voit pas. Elle voit pas si tu manges des brocolis ou des épinards le matin, tu vois. Ou pas, pas mentir. Ou mais. C'est vrai, hein, elle se monte, elle dit, non, il n'y a pas que le physique dans la vie, il y a la personne, une boîte à l'extérieur, je sais pas quoi et tout ça. Il est fort à l'intérieur, il est tendre à l'extérieur. Il est pas très beau, mais il a quelque chose. Ouais, non, mais tu peux même être pas très beau et pouvoir pécho. Selon, il y a des gens qui ont tellement une bonne chat et tout, mais le. Mais c'est, ouais. C'est une question, enfin, tu vois, qu'on va faire un peu le débat, quoi. Et tu peux la dire, la question? Bah, dis, frère, vous fait chier, non? Dis la question. Ouais, après aussi, le problème, c'est que les meufs, elles pensent musclées, elles voient des abdos et tout, et le mec, elles pensent musclées. Alors que pour moi, c'est parce que t'as des abdos Ouais, puis moi aussi, t'as les meufs, bon, nous, on fait de la musculation, pour nous aussi, t'es musclé, c'est vraiment t'es chaud et tout, vraiment, on gère. Maintenant, après, les meufs, ils ont différentes. Il y a le trop musclé. Et il y a le musclé normal, limite, t'as même pas besoin de faire de sport, tu cours un peu, bon, t'es fin et tout. Après, les vrais mecs qui font de la muscu, c'est vraiment là, tu vois qu'on se retourne vers toi, etc. Donc là, t'as fait quelque chose quand t'es passé. Mais. Après, ça, c'est voilà, tu as pécho, mais est-ce qu'il vous faut en faire une raison d'aller à la salle pour draguer des meufs? Si c'est ta source de motivation, tu vas pas tenir longtemps dans le game. Parce que c'est pas une. Voilà, il y en a qui vont pour changer leur corps pour plaire à des meufs. Ouais, ça peut être au début c'est un train de lancement. Ouais, voilà, ouais. Mais je pense pas que tu puisses vraiment. C'est la base de ta motivation. On va dire que tu prends le bon wagon au début avec ça et au final tu fais une escale. Quoi. Ouais. Tu mais c'est vrai qu'il y en a à qui ça a servi. Il y en a un qui est connu. Ouais, il y en a qui depuis qu'ils font de la muscu, ils sont grave pichonnés. Hein. Donc voilà en gros. Voilà, c'est ouais. Donc tu résumes que. Moi, je résume pour moi, ça aide. C'est inévitable. Mais ouais. Je pense que dans la société. C'est mieux, ça. Et puis c'est pour toi après. Okay. Mais ouais, ça va être. Je vois, ouais. Mais je pense que dans la société actuelle, je pense qu'il y a énormément de faux culs. Parce que les gens, Fred, tu vas interroger, si on fait un micro-trottoir dans notre ville, à Nantes et tout ça, on va interroger 10 meufs. Sur il y en a 8, ça va dire, ah non, mais je suis, c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais, donc, ils diront tout ça. Même les mecs, il y en a qui disent, oh non, voilà, qu'on flatte. Mais s'ils ont le premier pas de muscle, ça serait le premier content. Bah oui, voilà. Donc non, ouais, non, je suis ok avec toi. Il y a beaucoup d'hypocrisie, Il y a l'hypocrisie, mais. C'est en France. Voilà, non, moi ça aide. Au stage, frère, au stage, quand t'es balade à la plage, avec ton corps, t'as travaillé toute l'année à l'entraînement, frère, ils sont balades, ils font good job, man, et tout bien, apprends-moi de job, voilà, c'est la mentalité française et la mentalité américaine là-bas, t'es un sportif, good job, là, c'est ta gonflette, la piqûre, la stéroïde. Ouais, là, tu je sais pas quoi, tu prends des tubes, tu prends ceci, tu prends cela et tout. Donc, bah, ça va répondre. Ça aide. Indéniablement. Bon, ok, moi je suis ok. Mais ça fait pas tout. Si tu comptes vraiment que sur ça, non. Non. Mais ouais, c'est ça va être comme j'ai dit, l'aimant en fait qui va te ramener la meuf et après c'est à toi de jouer. Ah, en fait, ton corps, tes muscles qui te disent bon mec, c'est à toi de jouer, je t'ai ramené tout un petit peu. Après, ça dépend si c'est les meufs en boîte, là ça marche. Là c'est sûr, là, le corps en boîte parce qu'en boîte c'est des petites relations au tac d'une soirée donc c'est vraiment tout sous physique. Mais pour une vraie relation, une vraie meuf et tout, nanana, sérieuse. Ah, ça peut être plus compliqué, ouais, non, il n'y aura pas de crémus. Bah, parce qu'en fait, il y a un autre sujet là qui va me passer à travers la tête, du même ressort. En gros, les meufs aussi, que si elles sortent avec un mec musclé, elles ont tendance à être plus jalouses qu'autre chose. C'est vrai, ouais, c'est normal, mais c'est vice versa ça. Même si toi tu sors avec, une meuf. Non, vidéo, mec. Une meuf bien. Bah, ça sera la même chose, hein. Tu seras un peu jaloux et tout, c'est normal, c'est pareil. Mais elles ont peur, il y en a, elles ont peur de sortir avec des mecs musclés parce qu'elles ont peur que lui il plaise à trop de monde. Et ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça, bah c'est ça. T'es pas d'accord? Ouais, je suis d'accord. Toi, tu peux, enfin, raconte pas tes relations, mais entre guillemets, t'as un point de vue quoi sur ça.
Bah, on a tout son point de vue, après c'est un autre thème, tu vois, c'est un autre thème, mais là, ouais, c'est beau. Donc toi, en gros, ok, ouais, ça plaît. Donc les gars... C'est important de faire la muscu, c'est un bonus. La muscu, tout d'abord, la muscu c'est pour vous, la muscu c'est pour votre bien-être, et après c'est pour les meufs, si vous voulez. Mais c'est pour vous, c'est pour vous sentir bien. Moi si je l'ai fait, c'est pour me sentir bien, je suis bien dans ma peau, et que les gens ils me regardent ou que j'en ai rien à foutre. Donc voilà. C'est pour moi la muscu, donc moi ouais ça aide, c'est clair au niveau des meufs, mais ça doit pas être la ta motivation pour continuer à t'entraîner, etc. Donc voilà, moi c'est bon aussi pour moi, je pense. Ok, donc les gars, on est presque 100 abonnés bientôt là, on est donc, à 80. Vous augmentez de plus en plus, donc comment vous remercier, on vous remercie, on lâche un petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner, à partager, on commente. Donc dites-nous, on a lancé le débat, qu'est-ce que vous en pensez quoi, etc. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. À répondre, lancer des petits débats, etc. Donc, on est bientôt au 100. On va faire donc, le tirage au sort. On espère qu'aussi, à la prochaine vidéo, on a les 100. Il y a les 100. Ce qui est possible, bah, on fera le tirage au sort. On vous demandera de mettre des commentaires. Ouais, ça va être surtout au niveau des commentaires, on prendra les commentaires, etc. On prendra les noms et on fera en direct. Ou on prendra le meilleur commentaire, etc. Donc, comme vous l'avez dit. On a dit tirage au sort. Tirage au sort. Ouais, en gros, on prend les noms. Comme ça, ça les oblige à commenter, frère. Voilà, tirage au sort. Bon, bah, tirage au sort. Tu veux jamais participer ? On fera le tirage au sort, donc on aura tous les noms des commentaires. Une main innocente. Main innocente. La sienne. Parce que la mienne est. À quelques histoires. Donc, on fera un tirage au sort, on sort, et celui-là qui gagne, il nous envoie le lien d'un site fiable, s'il vous plaît. Et la protéine de son choix, donc on avait dit n'importe quel prix, on vous l'envoie en express, le chronopost, on vous l'envoie en chronopost, c'est chez vous, et voilà, t'auras gagné. Après, c'est juste le premier d'une longue suite de cadeaux, il y aura peut-être 150 abonnés ou 200, etc. Des boosters. Voilà, des boosters, des petits trucs, on lancera des prods. Donc même si t'as pas gagné, c'est pas perdu. Tu pourras retenter ta chance pour Caribou. Voilà. Et donc ouais. Moi je te dis merci. Merci. Je te dis à la prochaine vidéo. C'est la chance de faire. Vous êtes nombreux. Merci les gars. Ciao. Ciao bye. 'as quelque chose à dire? C'est la Champions League, c'est le 5, c'est la Champions League. Vas-y, mets-toi de le. Vas-y, mets-toi du plus. Là, on voit toujours. De toute façon, j'ai tout le matelas là. Donc, tant que t'es dans le matelas, t'es pris. Pour te dire. Ok, t'as tout le matelas voilà. Dans tous les cas. Voilà, c'est okay. Alors, est-ce que tout est. Mets-toi de l'autre côté. Mets-toi, regarde la vidéo pour voir si on était bien. Ah oui. Ouais, c'est les démons de minuit.